Une petite précision avant de commencer, si vos enfants sont à côté de vous pour cause de canicule et donc d'école fermée, éloignez-les pendant cet ado docteur, ça n'est pas pour eux. Un homme sur trois surfe sur un site porno au moins une fois par semaine. Plus préoccupant, selon un récent sondage IFOP, 45% des ados, garçons et filles, de 15 à 17 ans, estiment que les vidéos porno qu'ils ont vues ont participé à l'apprentissage de leur sexualité. Avec l'émergence ces dernières années de plateformes gratuites sur Internet, la pornographie est devenue très accessible. Oui, le problème, c'est que lorsque la consommation de vidéos classées X s'avère excessive, l'impact sur la sexualité et la vie quotidienne peut être retentissant, au point que l'on parle parfois de cyber-addiction sexuelle à la pornographie. Quelles en sont les conséquences? Comment préserver les plus jeunes de la violence de ces images? Et la notion d'addiction peut-elle réellement s'appliquer à la pornographie au même titre que les produits stupéfiants? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Laurent Carilla, qui est psychiatre spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse, c'est à Villejuif, près de Paris. Bonjour. Bonjour. Et puis Marie Maurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de cette enquête, Planète Porn, enquête sur la banalisation du X. C'est chez Stock, vous êtes journaliste d'investigation, correspondante du Monde en Suisse. Une question avant de répondre aux questions, comment vous avez mené cette enquête? J'ai pris plusieurs mois pour faire ce que certains journalistes font avec des objets de grande consommation comme les habits, c'est-à-dire remonter la chaîne d'un produit du début à la fin. Sauf que là, ce n'était pas des habits ou des chaussures, c'était la pornographie. Je voulais savoir, c'est toutes ces vidéos qu'on voit en permanence, que chacun d'entre nous ou vous ont déjà probablement vues sur Internet, comment elles sont fabriquées, qui c'est qui les finance, dans quelles conditions elles sont tournées, un peu faire la lumière sur cette industrie, quoi, pour éclairer tout ça. Et qu'est-ce qui vous a peut-être le plus étonné dans votre enquête ? En tant que femme, jeune femme, j'ignorais quand même beaucoup de choses au sujet de cette industrie et la manière dont elle est faite. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment fabriquer un objet. Donc, il y a des grands acteurs très riches qui font des tournages et il y a de moins en moins d'argent dans cette industrie. Et donc, des conditions de travail, c'est du cinéma, hein, c'est toujours du cinéma. Mais les conditions sont terribles et j'ai assisté à des tournages vraiment avec des gens dans une grande précarité, qui avaient besoin d'argent et tout ça se passe de manière un petit peu grise. Donc je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi… ça m'a un petit peu choquée. Pas tout, mais oui, une partie en tout cas. Ouais. On va commencer avec la question d'Adèle qui demande à partir de quand on doit se considérer comme addict à la pornographie. Moi, j'utilise maintenant un moyen technique simple, c'est les 5 C, en fait. À partir de 12 mois, 5 C. Hein, le premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est un usage continu. Le troisième C, c'est un craving, c'est l'envie irrésistible de consommer. Le quatrième C, c'est une activité compulsive. Et le dernier C, c'est les conséquences sur la santé physique, mentale et sociale. Donc, quand on remplit ces 5 C sur une certaine période, et on peut dire « je suis addict ». Et c'est valable pour tout, en fait. D'accord. Une autre question de Michel. Je me masturbe tous les jours en regardant du porno. Est-ce bon à long terme? Je suis célibataire depuis peu. Cette histoire de masturbation, c'est un motif de consultation, en fait, la masturbation compulsive avec le porno sur le web, etc. Personne ne se masturbe de la même façon. Et surtout, il y a chacun, moi j'appelle ça la vitesse de croisière de masturbation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent une masturbation tôt, une fois, deux fois par jour. Et un peu plus tard, quand ils sont en couple, on dit « ah ouais, tu continues à te masturber une, deux fois par jour ». Ce n'est pas très grave de se masturber, en fait. Ça devient grave quand on remplit, ça devient grave entre guillemets, quand on remplit ces critères de 5C. Et pourquoi c'est ça qui les inquiète, qui est un motif parce de consultation? Parce qu'il y a quelque chose autour de la culpabilité, en fait, l'espèce de honte, etc., autour de tout ça. Ouais, je perds du temps à me masturber devant du streaming, du porno web gratuit, enfin entre guillemets gratuit, parce que rien n'est gratuit. C'est surtout ça, c'est toute la culpabilité autour, en fait. Vous avez rencontré des consommateurs, j'allais dire. Vous citez l'exemple de Cédric, qui vous disait quoi justement sur cette masturbation? Alors, tous les consommateurs que j'ai rencontrés étaient des personnes tout à fait normales, qui n'avaient pas de problème, qui consommaient joyeusement de la pornographie, et c'est très bien. Le livre est assez pragmatique et décomplexant pour ça, c'est-à-dire que regarder de la pornographie, ce n'est pas un problème. Ça peut être même une libération dans certains cas. Donc, pour ces garçons et ces femmes,
femme que j'ai rencontrée, ben, c'était un acte plutôt normal de détente, d'intimité personnelle. Ils le vivaient très bien, tant que ça ne les empêche pas de faire autre chose, comme Laurent a dit. Donc, c'était des jeunes qui ont commencé à l'adolescence et puis qui continuent après à l'âge adulte. C'est tout à fait joyeux et sympathique. C'est vrai. D'accord. Ça fait partie des activités sexuelles en ligne, hein, la pornographie sur le web. Donc, les activités sexuelles en ligne, c'est, ça fait partie des activités sexuelles. Du moment que, évidemment, ces vidéos respectent la loi qui tout est, fait, ouais, ouais, tout est entre tout adultes est, consentants. Exactement. Alors, cela ne vous a pas échappé, il est effectivement très facile d'accéder au contenu de ces sites pornographiques sur Internet, vous venez d'en parler. Sa consommation répétée peut avoir un impact sur la vie sexuelle et sociale. Et c'est le cas de Jean-Pierre, qui se dit accro à ces sites. Il n'en avait jamais parlé à personne, mais a accepté de se confier à notre équipe. Témoignage recueilli par Clémentine Brault, Timothée de Rex. On vous conseille d'éloigner les publics jeunes. Professionnel ou amateur ? Le porno attire tous les mois 72 millions d'internautes. Mais cette consommation peut parfois devenir une addiction. Pour Jean-Pierre, les films X, c'est... Matin, midi et soir. Disons que une journée type pour moi, c'est... Je me lève, petit déjeuner, ensuite ordinateur, et là ça commence. Ensuite, repas, etc. Et dans l'après-midi, je vais aller voir un site pornographique. Aujourd'hui et depuis longtemps, je pense que je suis effectivement addict. Je reconnais que seul, toute une journée, je ne pourrais pas me passer d'aller sur un site pornographique. Mais je me sens tout à fait normal à partir du moment où, encore une fois, je ne fais de mal à personne, je me fais du bien et je ne vois pas pourquoi j'irais consulter. Je vis ma vie et ça me calme, ça me fait du bien. À 18 ans, Jean-Pierre visionne son premier film. Depuis, le porno influe sur sa libido. Avec chacune de ses partenaires, il cherche à reproduire les mêmes mises en scène. Disons qu'il est compliqué pour moi d'avoir un rapport sexuel sans avoir une image de film que j'ai déjà vu. Disons que ça m'aide. J'essaye en fait d'être l'acteur du film que j'ai vu. Le but, c'est peut-être de voir si je suis aussi capable de faire la même chose. Montrer que c'est nous, le mâle, l'homme. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être un sentiment de domination si la partenaire accepte. S'il n'accepte pas, c'est vrai que je suis déçu. Pour assouvir son appétit sexuel, Jean-Pierre s'est inscrit sur un site de rencontre. Mais son addiction reste un tabou. De prime abord, je ne vais pas lui dire « Ah, tu sais, chérie, moi c'est régulier. » Parce qu'en fait, c'est un peu une honte aussi. Enfin, j'aurais peur qu'elle me prenne pour un obsédé alors que je ne suis pas obsédé. J'ai des envies. Lorsque je suis seul, je le fais. Et encore une fois, je ne fais de mal à personne. Oh, merci bien sûr Jean-Pierre de s'être livré. C'est grâce à vos réponses à nos appels à témoins que cette émission est rendue possible. C'est très important, donc merci encore une fois. Docteur Carilla, on peut parler d'addiction là ? Au début non, parce qu'il dit ça me fait du bien, ça me fait du... Et au fur et à mesure du reportage, en fait, on voit qu'en fait ça lui fait pas tant de bien que ça. Il a une espèce de filtre sexuel qui est caractéristique des sexes addicts, c'est-à-dire qu'il est parasité par des images et il le dit bien qu'il veut reproduire des choses, qu'il a ces images-là. Pendant les rapports avec les femmes. Après, bon, il a un discours autour du mâle dominant, etc., qui sort du contexte du sexe addict. Et quand il dit « je veux faire de mal à personne », les sexes addicts, a priori, font de mal à personne. Hein. Tout ce qui est agression sexuelle, etc., quand ça se greffe dessus, c'est une autre pathologie qui arrive. Hein. Mais dans l'addiction, effectivement, ce type d'addiction, on a du mal à faire la différence, à mettre un peu une cloison entre ce qu'on voit, effectivement, sur ces sites et la vie sexuelle. Ouais, parce qu'ils sont filtrés, en fait. Ça. Ils sont complètement filtrés avec une deuxième vie secondaire. Ils ont une vie sexuelle à côté de leur vie de couple, etc., en plus. Donc ils sont complètement filtrés, ils sont parasités. Ce que je comprends pas bien, c'est si évidemment il y a le respect du partenaire, en quoi est-ce gênant finalement ? En quoi est-ce gênant d'être addict au porno ? Quand on est addict, on souffre. C'est-à-dire que les vrais addicts, c'est pas addict au sushi, quoi, comme on dit, vous voyez, ils utilisent ce mot n'importe comment en fait. Mais les addicts au sexe, ils souffrent et ils utilisent le sexe, mais comme une drogue en fait. Donc
pour ne pas souffrir et continuer à souffrir. Lors de mon enquête, on avait comparé ça, un spécialiste avait comparé ça à l'alcool. C'est pas parce que l'alcool est en vente libre qu'on est tous alcooliques, mais par contre, ça peut provoquer dans certains cas très particuliers une addiction. Et ça, à partir du moment où ça commence à vous empêcher de vivre des choses normales, si vous avez besoin d'un verre quand vous êtes un vendredi soir, ben, il faut se poser des questions. C'est pareil avec le porno, en fait. Dans votre enquête, est-ce que la multiplication finalement des sites avec des contenus extrêmement divers et variés, ça a contribué à augmenter cette addiction à la pornographie ? Statistiquement, oui, puisque les gens n'y avaient pas autant accès, donc un petit peu. En même temps, on assiste à un phénomène qui est historique. Pour la première fois, tout le monde a accès à de la pornographie gratuitement. Donc c'est quelque chose qui est assez récent. Il faudra prendre le temps d'analyser les conséquences. Moi, j'ai tendance à me dire, suite à mon enquête, ça existe, c'est comme ça, c'est difficile de faire marche arrière. Ça peut être l'occasion que la société parle de ça, que ce soit plus un tabou et qu'on discute de ces sujets. Et d'ailleurs, beaucoup de professionnels de la pornographie sont très actifs dans la prévention chez les jeunes essentiellement. On met en place des discussions, des classes, des fiches spécialisées pour les enseignants et les parents pour apprendre à parler de pornographie à nos enfants parce qu'ils vont en voir. Donc de toute façon, ça ne sert à rien de se cacher les yeux finalement. Bien sûr, on va en parler, la prévention après auprès des jeunes. On a une idée de la proportion homme-femme qui consomme ces sites pornographiques ? Selon les estimations, c'est 2/3 d'hommes, 1/3 de femmes. Les femmes disent moins volontiers qu'elles vont en voir, mais c'est de plus en plus le cas et c'est tant mieux. Les femmes ont longtemps été privées de l'accès à la pornographie. Elles n'étaient pas considérées comme assez matures pour pouvoir regarder ces contenus sans devenir folles. Donc j'estime que c'est un progrès qu'elles y aient accès maintenant. Dans votre patientèle, on retrouve le 2/3, 1/3 en proportion. En fait, sur les activités sexuelles en ligne globales, quelque chose donc de non pathologique, tout le monde en a, c'est 90% d'hommes et 51% de femmes dans la littérature scientifique. Mais en fait, c'est sous-estimé chez les femmes. Et moi, dans ma patientèle, il y a plus d'hommes que de femmes, mais depuis 2 ans, j'ai plus de femmes qui viennent. Alice dit qu'elle a du mal à sortir de ces moments de porno-masturbation. Elle a du mal à se motiver pour faire autre chose de plus utile. Comment s'en sortir ? Si elle estime que c'est problématique pour elle, je pense que là, c'est le bon moment d'aller se faire évaluer et de se faire aider. Mais il n'y a pas de désintox total de masturbation. Parce que ça, c'est demandé souvent en consultation. Désintoxiquez-moi totalement de la masturbation. Ça n'existe pas. La masturbation, c'est quelque chose de naturel. On peut se masturber quand on a envie. Et l'idée pour elle, c'est de se faire évaluer, de voir son état de sexualité et puis de réguler les choses. On se fait évaluer sa sexualité où ça ? Pardon ? On fait évaluer sa sexualité. On évalue en consultation les comportements sexuels, est-ce qu'il y a des addictions, est-ce qu'il y a des troubles psychologiques ? Ma question derrière, c'était effectivement, on va voir un psychiatre comme vous, spécialiste en addiction, ou le médecin généraliste, ou n'importe quel psychothérapeute ? C'est une question qu'on a. Est-ce qu'il faut consulter un sexologue ou un psychologue ? Il y a des sexologues qui connaissent bien la question. Le médecin traitant, il peut envoyer vers des consultations spécialisées. Moi, je crois que c'est plutôt consultation spécialisée. On parlait de ça à son médecin traitant, c'est pas forcément facile. Il suit toute sa famille en plus, donc c'est souvent compliqué. Ce que disent les gens souvent, c'est que c'est vrai que c'est facile, la pornographie en ligne. C'est rapide, on accède à l'orgasme rapidement, on n'a pas besoin de mobiliser de son imagination, de gérer le rapport avec le partenaire, donc c'est un plaisir qui est rapide et facile. Et en concurrence avec les autres, finalement. Et on nous demande si l'addiction au porno peut provoquer des problèmes d'érection en situation réelle. Oui, il y a des dysfonctions érectiles avec la pornographie consommée à forte dose, on va dire. C'est une des sources d'inquiétude dans les couples, en fait, où on voit arriver un patient accompagné de sa femme qui l'a attrapé en train de voir du porno à gogo, etc., où il y a aussi des échanges en ligne, etc. Et il y a des dysfonctions érectiles de couple, alors qu'il n'y a pas de dysfonction érectile devant le porno. Notre question, en quoi consiste le traitement de cette addiction ? C'est un traitement purement comportemental sur l'addiction sexuelle elle-même. Mais encore une fois, l'addiction sexuelle, elle n'est jamais isolée. Il y a souvent des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil. Il peut y avoir d'autres troubles aussi physiques, il peut y avoir des infections, des IST, etc. Mais si on prend que l'addiction sexuelle en elle-même, on va utiliser des stratégies cognitives et comportementales, c'est-à-dire on va réagir sur ces 5 C, l'envie, la compulsion, l'activité continue, etc. On va essayer de modifier tout ça sans arrêter. On ne vise pas l'abstinence en sexe, parce que le sexe, c'est une récompense naturelle. Donc pas de traitement médicamenteux, comme on peut en avoir pour l'alcool ou certaines drogues ? Il n'y a aucun traitement médicamenteux qui a d'autorisation officielle, mais on peut utiliser certains types d'antidépresseurs quand la thérapie est insuffisante. Et souvent, ils sont déprimés à côté, donc on a aussi ce levier-là pour jouer sur l'antidépresseur.
Olivier demande si le porno a une influence chez les jeunes. On va regarder un sujet sur la prévention. Oui, parce qu'effectivement, selon un récent sondage, en moyenne, les adolescents voient leur première vidéo porno à l'âge de 14 ans. Violence des images, vision biaisée de la sexualité, conduite à risque. L'exposition à la pornographie n'est pas sans conséquence sur les jeunes, on imagine bien. Pour aborder ces questions, les animateurs du CRIPS, le Centre d'information et de prévention incontournable, se rendent dans les établissements scolaires et les centres de formation. Oui, ce reportage, Mélanie Mourin, Timothée de Rex. Dans certaines familles, on parle de vie affective et sexuelle, et puis dans certaines familles, on n'en parle pas. Donc si le sujet de la sexualité, il est tabou dans la famille, on va plus aller chercher l'info dans la pornographie. Si on n'en parle pas, on ne peut pas savoir comment ça se passe. Ouais. Du coup, on va essayer de trouver des personnes qui ont des images et qui peuvent essayer de nous montrer. Ça ne nous instruit pas forcément, parce que ce n'est pas forcément la réalité. Mettre des mots sur des images choquantes, poser des questions sans tabou, c'est l'objectif de cette intervention sur la pornographie. Âgés de 15 à 18 ans, ces adolescents ont facilement accès à ces contenus, d'où l'intérêt d'un décryptage dès le plus jeune âge. Ce qui peut être délétère, à mon avis, c'est le fait que certains jeunes, notamment vers 11-12 ans, peuvent visionner ce genre de film et qu'il n'y ait pas une parole d'adulte qui soit mise dessus pour justement développer cet esprit critique. Donc ça me semble vraiment important qu'il y ait une parole d'adulte et que le jeune ne soit pas livré à lui-même avec ses images et qu'il n'y ait rien après. Pendant 2 heures, l'animateur amène cette classe de garçons en formation de mécanique à prendre du recul sur certains clichés véhiculés par la pornographie en les dissociant de la réalité. On ne nous montre pas la sexualité comme un partage, mais finalement comme de la performance. Il faut que ça dure longtemps, il faut que l'érection elle dure des heures, il faut que la fille elle ait du plaisir à chaque fois. Donc c'est vrai que, en tout cas, nous, ça nous met les hommes une sacrée pression, ces films, parce qu'on doit toujours être performant. Bah, des fois, on voit que les relations sexuelles, elles durent 2 heures. Alors qu'en réalité, je pense pas que ça soit possible. Moi aussi. Si, c'est possible. Ah ouais, bah. Si nous, on fait que 20 secondes, et bah, ça veut dire qu'en gros, on a même pas réussi à se satisfaire nous, mais en même temps, elle. Du coup, on aura plus honte. Il faut déconstruire ces stéréotypes. C'est une affaire d'écoute entre deux partenaires, que c'est une affaire de partage et pas une affaire de performance, comme la plupart des films pornographiques veulent nous montrer. Loin d'être dupes, ces jeunes hommes se sont déjà forgé un avis sur certains codes du porno. C'est volontaire de faire plus pour que celui qui regarde se dise « waouh ». Wow. Mais en fait, pas du tout. Donc, quand c'est en vrai, c'est pas la même sensibilité, c'est pas le même déroulement que dans un film pornographique. On peut se référencer à ça, et c'est justement ce qu'il faut pas faire. Parce que vu que c'est surjoué et qu'il y a beaucoup de comédie, on peut mal faire les choses justement, on peut peut-être être trop brutal. Quand on voit dans un film pornographique une femme qui crie, comment on sait si c'est du plaisir, si c'est de la douleur? Je sais pas si c'est du plaisir à sourire et tout, et si c'est à la mal, ouais, je sais pas, des grimaces. Autre écueil, ces contenus montrent parfois des pratiques sexuelles à risque. Mais si par exemple on regarde un film à caractère pornographique, dans certains il y a des préservatifs, dans d'autres il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça change qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas? Sans la protection, parfois, enfin, souvent plutôt, bah, c'est mieux qu'avec la protection parce qu'on sent plus de sensations justement. Souvent, ce qui est là, c'est le plaisir et ils ne pensent pas du tout maladie, IST et tout, c'est en dehors de ça. Donc, c'est bien aussi de pouvoir le ramener dans les animations qu'il peut y avoir des risques d'IST. Il y a des jeunes hommes qui veulent des préservatifs masculins. Près de 79 000 jeunes ont participé à ces échanges. Une approche indispensable quand on sait que 45% des adolescents estiment que le porno a pu influencer leur sexualité. Ah, pour en savoir plus sur les actions de sensibilisation menées par le CRIPS, vous allez sur leur site internet, lecrips.net. Docteur Carilla, est-ce que dans les patients que vous avez, le fait de visionner de la pornographie illégale, c'est-à-dire soit la pénopornographie, soit la pornographie violente, c'est de l'addiction et ça se soigne de la même façon? Pour la question de la pédopornographie, en fait, donc pornographie complètement illégale, hein, c'est pas sur ces sites en streaming, il y en a très peu en fait, il n'y en a pas du tout même.
Ça fait partie de la première, ça fait partie des premières consultations d'évaluation de la première consultation, c'est-à-dire que il faut tout de suite demander s'il y a visionnage de contenu pédopornographique, et si c'est le cas, ça fait pas partie des addictions sexuelles au sens strict du terme ou au comportement sexuel compulsif que l'OMS va publier prochainement. Et ça se prend en charge autrement? Ça se prend en charge autrement par des spécialistes, et il y a le côté aussi légal à prendre Bien sûr. En compte. D'accord. Question de Olive, le porno devient-il la seule éducation sexuelle des jeunes ? Alors, après mon enquête, je me suis rendu compte qu'en fait, il l'a été très longtemps. Tout ça n'est pas nouveau. Hein. Les ados achetaient des magazines en cachette, regardaient des films cryptés ou trouvaient des cassettes vidéo chez leurs parents. Donc, il y avait une découverte assez jeune de la pornographie, souvent chez les garçons. Donc, aujourd'hui, ça continue, mais un plus grand nombre y a accès, aussi les jeunes filles. Donc, je dirais, tout ça n'est pas nouveau. Malheureusement, on parle très peu de pornographie avec les jeunes. Donc, c'est l'occasion de s'y mettre. J'ai rencontré beaucoup de personnes évoluant dans ce milieu qui, dans leur famille, c'était totalement tabou. Hein. C'est quand même assez rare quand on parle de pornographie avec ses parents, c'est un sujet délicat. Donc ça n'existait pas en réalité, ou ça n'existe encore que très peu. Et quand la maman, j'ai lu par des mères notamment qui s'inquiètent que leur mari ou que leurs enfants aillent sur ces sites et tombent sur ces images parfois très violentes, elles ne savent pas comment aborder le sujet. C'est vrai que c'est très délicat. Je pense qu'il y a un vrai travail de communication à faire. Vous avez l'impression que le fait d'avoir un accès plus facile aux sites pornographiques, vous avez l'impression que, entre guillemets, je me mets à la place des producteurs, il faut sortir du lot, faire des trucs de plus en plus trash, de plus en plus violents. Vous avez l'impression que c'est une pornographie de plus en plus violente, si oui, on regarde Oui, il y a une escalade, clairement, entre ce que vous regardiez, enfin, pas vous personnellement, mais ce qu'on regardait il y a 30 ans et aujourd'hui, il y a une escalade dans les actes. Je pas forcément donner de détails ici, mais on va de plus en plus loin. La norme, l'échange classique sexuel face à la caméra est de plus en plus trash. Mais ça s'explique par des raisons économiques. L'industrie porno, forcément, les gens ne paient plus, donc il n'y a plus d'argent. Donc on fait des films avec toujours moins d'argent, des personnes qui sont moins formées, et puis on veut toujours aller plus loin pour séduire, entre guillemets, le spectateur. J'imagine que ce côté trash ou d'escalade, ça a forcément un impact chez les jeunes, dans leur vie sexuelle. C'est un gros, gros impact chez les jeunes. Parce que là, on disait en moyenne, c'est 14 ans, on regarde un film porno, mais c'est pas dans la réalité de la vraie vie. C'est les jeunes, ils ont des tablettes, ils regardent YouTube. Je diabolise pas YouTube, mais ils peuvent être aussi parasités par des contenus à caractère pornographique, hein, ou érotiques dont ils ne sont pas prêts. Il y a une étude qui disait un enfant de 8 ans qui est exposé à des contenus pornographiques, quel que soit le contenu, hein, on va dire un truc légal, hein, à la base, ben c'est comme si il subissait des actes sadomasochistes. Donc il y a un impact sur le cerveau quand même. Ça veut dire quoi d'ailleurs ce que vous dites? C'est-à-dire qu'il y a un gros danger actuellement? Il y a un danger chez les cerveaux pas préparés, ça c'est clair. Moi, je m'excuse, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop diaboliser. Un enfant de 8 ans peut tomber sur une image, mais il va rapidement s'en détourner. S'il est bien encadré, suffisamment entouré, c'est comme s'il était tombé sur un film violent avant à la télé. S'il arrive à en parler, si quelqu'un peut l'expliquer, c'est ça le problème. Effectivement, il faut arriver à débriefer. Non, il faut prévenir. Moi, je vous dis ça parce que j'ai été appelé dans des écoles, parce qu'en CM2, ils parlaient de YouPorn dans les cours de récré, etc. Donc ça inquiète les gens, les parents. Ils ne savent pas ce que leurs enfants font sur leur tablette et sur leur smartphone. Donc il faut quand même en parler. Et moi, je suis loin de diaboliser l'industrie de la pornographie et même les choses en général. Mais quand même, chez les jeunes, c'est un gros, gros risque. Et c'est aussi devenu un moyen d'éducation sexuelle chez les ados. Oui, c'est une réalité. Les parents sont très inquiets. Alors, il y a une solution qui existe, c'est celle de la Grande-Bretagne, qui a mis en place un système où il faut donner sa carte de crédit ou sa carte d'identité pour accéder à tous ces sites. C'est en train d'être mis en place, ça a pris beaucoup de retard. Mais là, on est sur une censure générale. Vous ne pourrez plus regarder ces contenus sans donner votre véritable identité. Donc, ça pose aussi un problème démocratique. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle votre livre, Marie Maurice, Planète Porn, enquête sur la banalisation du X, c'est chez Stock. Demain, dans Le Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les sports et les seniors, beaucoup plus légers, moins problématiques, tout, voilà. Enfin, encore qu'on peut être addict au sport. Hein. Passez une très bonne après-midi, on se retrouve demain, au revoir. Excellente après-midi, à demain.